C'est la fin de la musique,
accompagné par la femme. La promesse de mes fils. Amen. Amen. On est habitué. Il a vu mon habitué. Et non, on va acclamer la tour. Voilà, il m'a suivi plusieurs fois dans nos croisades. Mais Peter, si on veut faire la même fois qu'il arrive ici. Bon, on va aller là. Voilà, c'est un prière. Il y a aussi commissaire de Dieu te bénisse. Il y a Marachi et tout ça. Voilà, amen. Donc vous serez très satisfait parce que c'est un artiste. Amen. C'est juste après son intervention que j'aurai l'occasion d'intervenir sur certaines choses. Dieu vous bénisse. Pour moi, l'homme a droit à la vie. Amen. Il a besoin de vie. C'est le combat que nous menons d'ailleurs. Les Occidentaux ont mené d'ailleurs. Mais quand vous voyez toutes les organisations en place dans le monde, les gens luttent pour le droit de l'homme. Que l'homme a droit à la vie. Et c'est ça notre combat. Il y a une autre vie. D'autres personnes ne maîtrisent pas. Qui est spirituelle. Donc l'homme n'est pas que physique. Mais aussi spirituel. Donc Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le chapitre 1, le verset 26. Selon notre descendance, il a mis à l'homme un esprit. Amen. Il a dit à l'homme, domine sur toutes choses. Le but de l'homme sur la terre, c'est de dominer. Sur toutes choses. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les chiens qui nous poussent. Et le nous domine dans nos rêves. C'est pas possible. Alléluia, l'homme a droit à la vie. Et nous combattons les délinquants et les criminels spirituels. C'est ici qui vous parlez. Les sorciers eux-mêmes nous présentons la sorcellerie comme une maladie. Dans ce sens, les sorciers sont délivrés. Ils sont mis au service de Dieu. C'est dans ce sens. Ailleurs au Cameroun, quand on est brûlé. Nous disons que l'homme même a droit à la vie parce que le sorcier est victime de la sorcellerie. C'est pas possible, mais si. Parce qu'en écoutant les aveux des sorciers, ils ont été initiés. On n'achète pas la sorcellerie à tout le monde à s'opposer. Voilà, c'est quelqu'un qui vient te donner ça. Et il est difficile de s'en débarrasser. Et nous, son nom Dieu seul. Et à l'église, Dieu a donné le pouvoir. C'est vrai que tout dépend de l'église. Je parle du corps de Christ. Quand j'ai dit dans ma vie, c'est 19. Je vous ai donné la clé du royaume. Tout ce que vous déliez sera délié. Tout ce que vous liez sera lié. Donc on a la possibilité de lier et de délier. Amen. Donc la balle est dans notre camp. Donc la solution se trouve entre la main de l'église et l'ensemble du corps de Christ. Amen. Donc je salue, je remercie le Seigneur pour sa présence et pour votre présence ce soir ici. Comment que Dieu bénisse. Amen. Que l'homme a droit à la vie et nous combattons tout ça. Et il y a des individus la nuit en voulant les affaires sous bagage, chez nous en Bétail, les affaires Bougnon, les affaires dans le monde non comme ça. Ils ont fait par le fouet, ils travaillent la nuit. Ils ne font que détruire. Le premier ministère, c'est la destruction. Vous lisez Jean le chapitre 10, le verset 10. Jésus dit que le voleur ne vient que pour voler et détruire. C'est le diable. Amen. Il faut attaquer le diable. Selon Jean 3, le verset 8, la Bible dit que le fils de l'homme, qui est Jésus, est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Et puis que nous sommes dans le bâtard, il y a tout à Zaroko, à Kazoué, moi, à Yahoui, c'est moi, à l'aide la mort spirituelle est arrêtée. Et là, on fait la mort spirituelle. Parce qu'avant de parler, il faut regarder. Jésus dit, si vous ne croyez pas, en moi, mais au moins croyez aux œuvres. Celui qui ne croit pas, il était l'agent du diable. Si tous les prophètes étaient les funérailles, votre bien, tonnerre, panache, votre panache. Aujourd'hui, c'est arrêté. Tout est arrêté ici. C'est la mort naturelle. C'est les vieilles personnes qui meurent. Le jour où je rentrais dans ce
ce village. Il y a eu du combat. D'autres personnes ne voulaient pas. Ils m'ont même chassé du village. Il y a un témoignage. Quand j'ai quitté le village, il y a eu 10 personnes sur moi. Oui, vous êtes témoin. Le jour où je suis rentré, j'étais sur la porte. J'ai tellement parlé. J'ai dit, à compte d'aujourd'hui, je ferme la porte à la mort. Et maintenant c'est la vie.